Bonjour à toutes et à tous, l'ami Segal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça va super. Les copains, on se retrouve avec le nouveau brawler Lou, on va tout simplement faire un rush énorme. L'objectif est de monter Lou à 200 trophées sans faire de défaite les gars. Ouais, on a un objectif assez gros parce que une lose est vite arrivée. Mille merci les copains pour la vidéo d'hier, vous m'avez tout explosé, j'ai reçu une dizaine de screens sur Insta, sur Twitter. Je remercie vraiment tout le monde, vous êtes la famille. Franchement les gars, ça fait plaisir, le tirage au sort des concours va être posté prochainement, n'hésitez pas à guetter de très près l'Instagram les gars, hein, bien sûr j'en parle assez souvent en ce moment et j'espère du coup que vous me bombarderez les pouces bleus. Dites-moi dans cette vidéo si vous voulez qu'on prenne le brawl pass sur le compte confiné. Bah, clairement c'est oui, hein, je vous le dirai que je vais le prendre les gars, à moins qu'il y ait contre-ordre dans cette vidéo, mais j'ai posé la question hier, tout le monde m'a dit tonton fais-toi plaisir, achète-nous tout ça. Donc les gars, je pense que ça va être chose faite très prochainement. On n'a pas trop de temps à perdre les gars. Oui, je parle doucement, je sais pas pourquoi, mais en vérité c'est une vidéo qu'il faut partir directement en rush. On a un objectif de 160 trophées à faire, objectif 200, donc on n'a pas de temps à perdre en vérité. Donc voilà, ça part directement. Alors il y a un petit Bartaba. Est-ce que Bartaba il veut que je défonce ou pas? Ben la réponse est oui. La réponse est oui, le frérot il est venu corps à corps face à Lou. Alors Lou c'est pas un boule non plus, hein, c'est pas ça les gars. Mais faut quand même pas lui manquer trop de respect. Donc quand ils se mettent dans le sort de freeze, forcément, ils prennent le tarif maison. Et on est plutôt pas mal les gars, on est plutôt pas mal. Tac. Alors dites-moi, est-ce que vous l'avez débloqué? Je pense que ce brawler, c'est le brawler que le moins de mes abonnés ont débloqué, parce que alors là, j'ai posé la question hier, et honnêtement, les gars, il y a absolument... Bah, je vais pas dire personne, mais il y a vraiment peu de monde qui l'ont débloqué. C'est vrai que le fait d'acheter les 30 paliers, ça a cassé le délire à beaucoup de monde, et du coup, il y en a peu qui l'ont eu. Alors on va quand même faire le tour de la map, a priori, il reste le beau que je vois là, et qu'est-ce qui reste d'autre? Alors un beau, 3 pots, on en a 9, ok, c'est un colt. On va défoncer le beau, et là, normalement, on a le top 1, parce que, tout simplement, les gars, tout simplement, qu'est-ce qu'il nous fait, le frérot? Il va se cacher où, là? Il va se cacher où, là? Ok, et de 1, les gars, une petite victoire sympatoche, ça fait plaisir, voilà, Lou, ça va monter en niveau, on va récupérer des jetons, ça fait excessivement plaisir, parce que je rappelle que les gars, les jetons, c'est le nerf de la guerre, pour maxer les futurs brawlers, j'espère une future sortie de brawler d'ici, je sais pas, peut-être un mois à peu près, et alors, peut-être pas un légendaire, pour que vous puissiez le choper plus facilement, parce que Ambre, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas grand monde... qu'il avait débloqué. Alors lui, il est venu faire le héros, mais je pense que, ouais, non, frérot, quand même. Oh, 200, j'avais 200 PV, j'ai fait le malin, on a failli s'auto-kill, c'eût été une grosse erreur de ma part, vu qu'on a dit qu'on essayait de faire 0 lose. Alors, attention quand même, on va pas trop faire les fous, parce que là, ça pourrait... J'ai pas vu où est parti Dina, en fait. Ok, Dina... Il y a une Elisa par là, on va essayer de la chatouiller un petit peu... Allez, allez, encore un petit peu, allez, freeze, faut en profiter. Ok, on est pas mal, on a un sort de freeze pour le fight final. Est-ce que je peux récupérer ces popos-là? Ouh là là, il y en a le costaud, les copains. Je vais pas vous mentir que c'est pas une super bonne nouvelle. Je les freeze, mais on va... Ah, putain. Comment je fais? Putain, vous avez vu comme ça le freeze, c'est un truc de dingue. Hein, ça marche super bien. On va récupérer cette énergie-là. Et on va essayer d'aller lui exploser la tronche. Allez frérot, viens voir tonton, je pense qu'on peut lui mettre super cher. On peut lui mettre super cher normalement, tac, il est ralenti, et normalement, allez, voilà, ça c'est fait les gars. On a défoncé un primo, je sais même pas combien d'énergie il avait, mais il était plutôt chaud bouillant le frérot. On est déjà à 20 trophées les gars, on va essayer d'en enchaîner vraiment le plus possible. Hein. Je suis chaud là, là en vrai je suis chaud les gars, il y a un moment donné les nouveaux brawlers c'est fait pour les rusher aussi, on peut pas se permettre de les laisser battre longtemps. On va essayer de le monter. Alors 1000, ça va peut-être être chaud. Hein. Est-ce que vous sentez qu'on peut le monter 1000, ce brawler? Je sais pas s'il est OP. Oh, il y a un cousin en haut. Coucou, cousin. Ça fait plaisir. Il a le même brawler. Qui sera le boss? On va le savoir rapido. Moi, je vais tenter de prendre ses popos par là, là, tranquille. S'il me laisse le mid, le frérot, c'est vraiment gentil de sa part. On est déjà à 4. On va être à 5, normalement. Les gars, la vidéo reconfinée, elle arrive, hein. Je peux pas vous publier 10 vidéos par jour, mais promis, elle arrive, elle est pas encore tournée, mais ça ne saurait tarder, quand je vois comme ça vous fait plaisir, je vais vous la faire, alors attention quand même, parce que je prends assez cher, lui, j'ai bien envie de le freeze, le frérot, là, Hassan Mer, il s'appelle le frérot, on va essayer de, qu'est-ce qu'on lui fait, c'est quoi qui est en bas, les gars? C'est un max, un petit max, tout mignon. Alors, on va essayer de le défoncer. Est-ce que je peux pas? On peut le bloquer, là. On peut le bloquer 500 PV, comme c'est dommage qu'on l'ait loupé. C'est vraiment dommage, purée.
Ah là, si je peux le bloquer, le frérot, en vérité... Ah, 1000 PV, dommage. Ça aurait été cool de le péter parce qu'on aurait récupéré 2 énergies en plus, les gars. Et ça fait grave, grave, grave plaisir. Alors, il joue pas trop, trop mal. On va lui mettre ça comme ça. Voilà, une fois qu'il est freeze, hein, c'est un petit peu un combat de lâche. Hein. C'est un petit peu comme s'il y avait un mec qui me le tenait, moi je le tapais. Hein. C'est un petit peu déséquilibré. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a notre frérot Hassan qui est là. Il est tombé au combat. Qu'est-ce qui reste? Il fightait un Mr. P. Allez, c'est reparti. On pète la tourelle. Même pas, même pas, même pas, même pas. Ok. Les gars, on est bien, on est bien. On est sur 3 wins d'affilée pour l'instant. Le rush, c'est une simple formalité. On est déjà à 70 trophées. Franchement, ça fait plaise. Franchement, ça fait plaise. On vise beaucoup plus haut, mais ça fait plaise. Alors, on est face à quoi là? On est face à quoi? Il n'y a pas d'énergie sur le spawn, pas de popo, c'est un peu éclaté. Ça, il y en a deux par le bas. On va essayer d'y aller en espérant que ce soit quoi? Il y a un truc qui se casse spawn par là, non? C'est quoi? C'est un petit Gaël. Un petit Gaël tout mignon qui veut prendre son énergie. Ok, on le conteste plutôt pas mal. Alors, faudrait quand même que je prenne une popo. Voilà. Qu'est-ce que. Il y a un surge par là. J'aime pas des masses. Ouais, j'aime pas des masses l'idée de fight un surge. En vrai, s'il a un TP, il peut mettre super cher. Ou cette game, elle a l'air éclatée, les gars. Cette game, elle me plaît pas du tout. S'il y a un truc dans le buisson en bas, on est mort. Oh, ça va qu'à personne. Ça va qu'à personne. Il a clairement l'avantage sur moi. Vous voyez comme il met la misère. Alors, quand je touche, je lui fais mal, les copains. Ça me fait quand même un petit peu penser à un Colt. Hein. Vous, franchement, les gars, on a du mal à situer à quoi ça ressemble, mais. Mais quand même, ça me fait un peu penser à un Colt, parce que dès qu'on touche, vous voyez quand même qu'on lui met des grosses patates, hein, franchement. Allez, alors, on va aller le défoncer, lui. On va le défoncer. Il y a un moment donné, il veut jouer avec Tonton. Qui s'y frotte, s'y pique, les gars. Qui s'y frotte, s'y pique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à taper, là? Alors, il y a un Surge qui s'est fait soulever par un Axe. Ça va quand même être chaud top 1, là. Ça va être chaud top 1, les copains, parce que là... Bon, ils ont que 5 pots. 5 pots et à droite, le Wally, j'ai pas vu combien il avait. Mais c'est quand même compliqué, là. Ah ouais, ça s'annonce compliqué. Ça s'annonce, je sais pas comment je vais gérer la crise, là, Julio, là. À mon avis, je vais faire... ça va être la première game, on fait pas top 1, là, je pense. Ouais, ça va être la première... Le premier fail, là, encore. Est-ce que c'est un fail? Est-ce que réellement c'est un fail ou pas? Mais en tout cas, on va tout simplement échouer, parce que top 2, les gars, je pouvais pas faire plus. J'ai pris le fight contre Wally, le Max, il a ramassé les miettes. Et du coup, c'est pas grave, c'est un fail. C'est pas un fail, les gars, on récupère des trophées, en vérité. Hein. Un fail, ce serait quand on en perd. Donc, pour l'instant, on est plutôt pas mal. On fera les comptes à la fin de la vidéo. Vraiment, j'espère que cet épisode vous régalera, les copains. J'espère vraiment que vous kiffez. Hein. Parce que ça fait tout simplement plaisir. C'est vrai que c'est une vidéo qui nous a coûté assez cher hier quand on a débloqué le brawler. On a dépensé, je sais pas, 850 gemmes, je crois, si je sais compter. On a dû farmer 20 paliers, donc 2 x 6... ouais, ça doit être ça. 2 fois... ça doit être ça. Je pense que si mes calculs sont bons, on a cramé 600 gemmes de paliers, plus 250 pour acheter le Brawl Pass. Ça doit être un truc comme ça. Donc bon, on s'est pas ruiné non plus, les gars. Mais quand même, on a dépensé un petit peu. Alors le Gaël, je pense qu'on peut le dépop corps à corps, en vrai. On peut le dépop corps à corps ou pas? Alors attention, Wally, au Nani, maximum de respect pour Nani, ça fait super mal. Il a une tête, on va régénérer un petit peu, qu'il ne mette pas la tête, il ne one-shot pas, ce serait dommage. Dès qu'il y a un mec qui va passer, les gars, on va le freeze et on va lui défoncer, défoncer la tronche. Hein. Avec amour, toujours, les gars. Mais on est obligé un petit peu de montrer qui est le patron de la game. Alors, Nani, est-ce que c'est pas le moment d'y aller, là, les gars? Je l'ai loupé. Alors, lui, il garde sa tête. Pourquoi, le frérot? Putain, il vise pas mal. Hein. Il vise pas mal. Il vise vraiment pas mal. Et on va essayer de le dodge comme ça. Ok. Ok, pour l'instant, on gère. Pour l'instant, on gère, les gars. On a le brawler bien en main. Alors, c'est le bas niveau, mais quand même, hein, quand même, sur le... Je crois que sur Ambre, on avait fait un plus 100, 138, je crois. Donc là, faut faire mieux. Là, clairement, faut faire mieux. Le Nani, on va le coincer par là. Et du coup, je pense qu'il va mourir. Hein. Je pense qu'il va mourir, le frérot. Ok. Est-ce que je peux récupérer les énergies ou pas? La réponse est normalement oui. On va aussi le bloquer, lui. Où il y a du monde de partout, les gars. Oh, qu'est-ce que c'est que ce fight de fou? Ok, lui, il est mort. Ils veulent... Pourquoi ils veulent me faire la peau? Je suis une victime ou quoi, les gars? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'elle a? Elle, Pam, elle veut tourner? Viens me voir, viens me voir. Voilà, tu veux tourner? Tu veux faire alliance avec l'autre? Ben, y a pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Alors, vous voyez que le gadget, les gars, on s'en sert pas. On va le mettre au corps à corps pour tester, si vous voulez. Mais honnêtement, il est... je vais pas dire qu'il est claqué, mais en solo...
Ouais. On aurait peut-être pu l'utiliser tout à l'heure, les gars. J'ai pas pensé à l'utiliser quand on était dans le retranchement en bas. Mais à mon avis, c'était pas hyper utile. Tiens, là, on le met, voilà. Il a mis ses trois coups. Ah ouais! Ah ouais, le fail. Je mets ça, il a mis ses trois coups corps à corps. Du coup, après, il a plus de coups. Et moi, je peux le dépop. Ah ouais, c'est encore... Il est super utile, en fait, le gadget. Faut juste que je prenne l'habitude de l'utiliser naturellement. Mais en fin de compte, au corps à corps d'un mec comme une Shelly, enfin, d'un brawler comme Shelly, un mec va vous auto-aim les trois coups. Voilà, style lui, là. Lui, il a gaspillé ses trois coups dans la box. C'est pareil que s'ils avaient gaspillé sur mon... Sur moi-même. Alors lui, il a envie de décéder. Lui, il a envie de décéder, le frérot, mais nos problèmes, on va s'occuper de toi. Attends, je prends juste cette énergie, on s'occupe de ton cas. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Tiens, vas-y, viens. Allez, viens voir tonton. Viens voir tonton. Voilà, je veux bien être... Je comptais pas le focus, hein, mais après, s'il veut jouer, nos problèmes, on est là pour te faire plaisir. Alors, il y a un Mr. P qui a, du coup, qui est mort. Tac. On est à 5 popos, le Jean à droite. Ouh là là là, les gars. Alors attention, attention, parce que j'ai peur que le deal, en fait, me vienne dessus. C'est ça qui me fait peur, les gars. Sinon, c'est un truc de fou. Dès qu'on touche, le mec, il reste... Le mec, il bouge plus. Enfin, c'est... Moi, je trouve ce brawler super fort. Sincèrement, les gars, je trouve super fort. Là, on l'a loupé, dommage. Dommage. Là, s'il pouvait prendre le fight l'un contre l'autre, ce serait oufissime pour moi. Ouh, 300 PV des copains. J'ai fait le fou, là. Là, clairement, j'ai fait le fou. Ah, les gars, on s'est fait soulever troisième. Putain, j'étais tenté, en fin de compte, j'aurais pas dû le fight. C'était celui qui a le plus de peau. Mais il m'a tenté parce qu'il avait tellement peu de points de vie que je me suis dit, vas-y. Vas-y, on soulève, frérot. On se le soulève au calme. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dommage, vraiment dommage. Pour l'instant, nous sommes vraiment... On est super, super bien. Il y a une petite Colette, Trixie Colette. Est-ce que corps à corps, ça passe ou pas, les gars? J'avoue que j'ai un doute. J'ai un doute si corps à corps ça passe. Oh, elle m'a mis un espèce d'enchaînement. C'était pas cool de sa part. Par contre, je peux utiliser un gadget si elle veut. Je peux utiliser un gadget en vrai. Hein. Je pense que je peux l'éclater si elle veut. Est-ce qu'elle veut, vous pensez, les gars? Style, regardez ce que je vais faire. Regardez. Gadget, elle gaspille tous ses coups. Et derrière... Oh non! Oh le fail! On a failli mourir les copains! J'aurais dû enchaîner un autre gadget, mais j'ai même pas pensé. Ok, on a failli mourir. J'ai voulu tester le coup du gadget, c'est faire le malin, mais j'ai failli me faire soulever surtout. Il y a que des Colettes sur ce game, faut pas trop chercher à comprendre, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Alors attention quand même. Attention quand même les gars, les Colettes elles ont l'ulti chargé, ça peut faire super mal. On a vu que quand ça fait aller-retour les gars, ça pique un petit... Ah c'est vraiment que des Colettes hein. Ah elle est bien... Qui vous voulez qu'on soulève? Putain, j'avoue que j'ai pas vraiment de victime. En général, c'est les tanks que je dépop facilement. Et là, il n'y a pas vraiment de tank. Est-ce que là, ça passe? Est-ce que là, ça passe ou pas? Oh, les copains, comme on est mal. Comme on est mal, les copains. Comme on est mal, là. On va régène. On va essayer de se la gagner, celle-là, parce que là... Ouh là 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 là, les gars, les copains, ça pue fort. Ah ouais, non, mais là, on s'est fait victimiser, quoi. Là, Colette, c'est le counter à ma petite loup. Enfin, plus 6 sur une game que je jugerais éclatée. On a déjà fait la... Il nous reste 99 trophées à faire dans cette vidéo. Je pense que c'est largement faisable. Putain, on s'est fait victimiser par Colette. C'est vachement... Enfin, ça me paraît pas plus ouf que ça, Colette, pourtant, mais... On s'est fait marcher dessus. Ok, la Billy, elle a pris masse dégâts. Si elle peut me laisser charger mon freeze, en vrai, c'est une bonne nouvelle. Ah, vas-y, viens un peu par là. Viens un peu par là. Qu'est-ce qu'ils ont à tourner, là? Est-ce que vous voulez que j'accorde à corps? Non. Tac. On va essayer de la coincer. Alors, est-ce que je peux farmer cette popo? Est-ce que je peux farmer même les deux? Si je farme les deux, en vérité, on se met pas mal. Parce que, au final, pendant qu'on fait... Pendant que je faisais Mumuse avec Billy, ils étaient en train de se tuer au mid. Enfin, au mid. Apparemment. Et du coup, on voit qu'il y a déjà plus que 7 mecs dans la game. Ok, là, j'ai un ulti... Là, on va le freeze, lui, et normalement... Ah, putain, coup dur, on se fait laver. On joue mal, les gars. On joue mal. Et du coup, on fait un quoi, là? On fait un plus 3, ok. On va s'enchaîner encore une game. Ah, c'est compliqué, les gars. Allez, les gars, motivés. Il faut qu'on fasse un start de dingue. Hein. Faudrait vraiment que j'arrive à prendre le mythe de la map, ce serait vraiment oufissime. Mais pour l'instant, ça s'annonce quand même compliqué. Alors, lui, le jean, s'il veut venir voir tonton, il n'y a pas de problème. Pas de problème, laisse-moi... te charger l'ulti dessus. Il n'y a pas un brawler à gauche, les gars, j'ai pas vu.
On va tenter de prendre ça. Il y avait un lion côté... Oh, là, il y a peut-être des trucs à ramasser, là. Là, il y a peut-être un truc à ramasser. La Tara, la Tara, elle m'a offert une popo. Le... On lui a mis le freeze, là. Tac. Ok, on ramasse les popos, les gars. C'est une game où on ramasse les pots gratuits. Il y a un mec au mid qui est en train de se mettre bien, et ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Je veux que ce soit moi qui prenne les popos. Alors, les gars. Qu'est-ce qu'on fait, là? Le petit gars, il a pris ses dégâts au mid. La petite Tara. On va essayer de la freeze par là. Aïe, les gars. Rah, on est pas mal en touche, pourtant. Pourtant, on touche, mais compliqué. Hein. Compliqué, le petit Gaël par là. Est-ce qu'on peut toucher aussi? On touche aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je lui mets un petit freeze? Comment je m'y prends? Les gars, on a encore 6 dans la game, là. Il y a des mecs de probablement en bas, là. Tac, la Tara. Vu qu'elle m'a saoulé, on va aller la focus. Hein. Normal. Je pense que là... C'est loupé. Ok, on a chopé le jean. On n'est plus que 4 dans la game. Ça commence à jouer sérieux ou quoi, là, les gars? On est à 101, les mecs, ils jouent déjà leur vie. Alors, la Billy, je pense qu'elle veut me victimiser. On va lui mettre une petite coupe. Tac. Alors là, il y a un petit Gaël par là. La Billy, en haut, on va la freeze. Ou pas. Ok, là, on récupère les popos. Il va me pousser, mais normalement, ça va. Normalement, on doit pouvoir le gérer, lui, a priori. Dès qu'on va récupérer nos points de vie, on doit pouvoir le gérer, les gars. Je suis pas sûr, mais on va quand même tenter. Ouais, on a tenté, et ça s'est bien passé, les gars. Donc c'est une bonne nouvelle. On se met plutôt pas mal. On est à 114 TR. Ça va, c'est correct, les gars. On a fait quasiment la moitié. Il faut faire un bon start, là. On peut pas se permettre des games moyennes, les gars. On a vu que sans énergie, quand même, on est les games, on a peu d'énergie, même 2-3. On voit quand même que c'est faiblard. Il faut quand même qu'on le renforce un petit peu, ce brawler. Ah, c'est pas Ambre, hein. Ambre, les gars, on marchait sur l'eau avec Ambre. Rappelez-vous la puissance du brawler, c'était vraiment n'importe quoi. Là, clairement, c'est pas ce niveau-là. Alors, ils sont en train de se fighter en haut. Est-ce que je peux aller ramasser les miettes? Mais oui, bien sûr, les gars, on ramasse tout, nous. On mange à tous les râteliers. Alors, on est déjà à 4 pots, c'est un très très bon start. On va essayer d'en prendre le plus possible. Du coup, ça va être 5, ça va être 6. Ça va être 7. Allez, une petite 8e ou le jean, il veut que je tue direct? Oh, les gars, il y en a en haut à gauche. On peut aller les prendre, on se met trop bien. La PAM, est-ce qu'on la ramasse, la PAM, les gars? Est-ce que vous pensez qu'on la ramasse? Je pense que oui. Ok, on a ramassé la PAM. On est à 10 énergies normalement. Une fois que tous les points de vie seront au rendez-vous, je pense qu'on peut largement aller faire le top 1. Alors, attention quand même à Tara Ulti, ça reste quand même le truc qui nous counter le plus. Hein. Elle a gaspillé son ulti. On est à 12. Qu'est-ce qui se passe en bas, les copains? C'est un petit Mortis. On n'en avait pas vu. Il va aller côté droit. Est-ce qu'il y a un truc pour le cueillir? Apparemment, il n'y a personne. Alors, il va bien tomber sur un truc à un moment donné. Mortis, qu'est-ce qui restait encore dans la game? J'ai pas vu. Je pense pas qu'il soit par là. Hein. Oh, il est mignon, il veut me kill. Là, frérot, avec 12 énergies, t'as du mérite. Hein. Alors lui, on l'a mis super low, le Nani. On va essayer d'aller le finir proprement. Tac. Ouais, bon, ça va. Il veut corps à corps un mec à 14 énergies. Frérot, ça ne marchera pas. Ah, je te le dis direct, ça ne marchera pas. Parce que là, je suis beaucoup trop haut. Donc, ça fait plaisir, les gars. Là, cette game, elle était belle. On a réussi à se prendre le mid, à se prendre le maximum de pots. Là, déjà, on voit qu'au mid, il n'y a que 2 pots. Donc, c'est pas dingue. Il y en a peut-être 2 sur le haut de la map, en espérant que la Colette qui est au-dessus ne vienne pas me victimiser. Vu que je suis à peu près la victime préférée de Colette, on l'a dit, les gars. Donc, normalement, cette deuxième peau, je vais pouvoir la sécuriser. Ok. Il y a une Tara en haut. Est-ce qu'on peut aller là? Ok, on l'a tué. Putain, mais c'est un truc de ouf, Colette, oh. C'est un truc de taré, Colette. Ah, le logo Wi-Fi qui régale pas. Ah, dommage que la Colette, il n'y ait pas un mec qui lui mette un petit picot au-dessus, ça l'aurait calmé, là. Elle faisait trop la folle. Alors, Pikachu, je sais pas quoi, là, à droite, avec son sword, on peut peut-être le chatouiller un peu. On n'est plus que 6 dans la game, vite fait, j'ai hâte qu'il s'élimine, parce que là, clairement, là, on n'a pas pris mid, et là, vous voyez que on est pas ouf, et en plus, je suis content qu'il passe pas ses niveaux, lui. Parce que, voilà, j'allais dire, s'il passe ses niveaux, clairement, ce sera un concurrent direct. Pour l'instant, il joue mal, tant mieux. Il y a un Wally, est-ce qu'il m'a vu, le Wally?
Alors, les copains, normalement, lui, il tombe au combat. On est à 5 énergies, top 3. Faut qu'on aille voler un top 1. Faut qu'on aille voler un top 1 sur cette game. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut. J'ai pas dit que ça allait se faire, mais normalement, c'est jouable. Le Mr. P par là. Aïe, 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 les gars. Ah, les gars, mais non, mais il sert à rien, ce gadget, les copains. Je mets le gadget, les mecs, ils tirent pas. Ça sert à piéger les gens, là-bas. Soyez bêtes, les mecs, les adversaires, là. Soyez naïfs, tirez quand je mets le gadget, putain. Enfin, en fin de compte, j'ai mis le gadget, mais du coup, oui, je recharge mes coups pendant le temps où il met le gadget, mais lui aussi, en fin de compte. Donc là, les mecs, dès qu'ils jouent, s'ils jouent bien, en tout cas, derrière, vous avez vu l'effet que ça fait, hein. Dès que j'ai plus le gadget, il m'a mis le petit coup, il m'a fini comme une grosse victime. Aïe, les copains, je suis pas trop fan de ce gadget du coup, hein. Franchement, en début de vidéo, il nous a fait un bon truc, mais là, bof, il y a un search par là, les copains, il y a une Tara par là, elle tombe. Alors, on est à 3 popos, il y a un search à Colette, faut vraiment qu'il y ait un problème, je sais pas. Il y a un problème, il y a un délire sur Colette, il y a un mauvais bail. On a un search par là. Le max me fait peur. Le max me fait peur, clairement, s'il peut continuer à fight le search, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je peux cueillir le max une fois qu'il aura pris des dégâts ou pas? Oh là 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 là, les gars. Oh, le max. Bien joué le max qui tombe, un de mes principaux concurrents pour la victoire finale. On est encore 4, je vais tenter une petite escroquerie là. Allez, un dernier coup, ok, ça tombe, on prend masse pour... Bon, je me fais péter par le jean en bas. Bon, ça va qu'il a des énergies. Il m'a ramassé, mais il m'est tel une victime, quoi. On récupère les points stars, ça fait plaisir, les gars. Ça fait excessivement plaisir de récupérer les points stars. Et on se refocus, il manque encore 60 trophées pour que cette vidéo soit vraiment parfaite. Est-ce qu'on va aller aux 60? Est-ce qu'on va aller aux 200 trophées ou pas? Est-ce qu'on va aller aux 200 terres ou pas? Franchement, les gars, la Colette, là, je sais pas pourquoi elle est venue me chatouiller alors qu'elle a même pas pris ma popo. Et en plus, elle a abandonné ses deux pots. Des fois, il y a des trucs qui se passent dans le jeu, je le comprends pas, les copains. Je vous jure, je le comprends pas du tout. C'est bizarre, parce qu'en vrai, elle avait deux pots, elle se mettait vraiment bien. Et elle a préféré venir me fight. Alors, est-ce que corps à corps, ça passe ou pas? Corps à corps, est-ce que ça passe? Ça passe pas, hein, ça passe pas, les gars. Ça passe pas. Ça passe pas. Ok, là ça passe. On est obligé de jouer de loin en fait. Hein, ouais, c'est pas un brawler de corps à corps en même temps, on s'en doutait un petit peu. On est obligé d'essayer de l'ajuster gentiment. Il y a un petit Wally par là. Wally tombe. Il y a un Jackie. Oh, il est dopé le Jackie en bas. 8 popos. Il y a encore une Colette à droite. Et bizarrement, Colette, j'ai juste pas envie de fight avec elle en fait. Alors. Jackie, s'il pouvait tomber, ce serait cool. Ah, tonton! J'ai du mal à viser. Il a l'air de pas trop mal jouer, lui. La Colette, elle est un petit peu plus en mode bourrinage. Ok. Donc là, maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a encore un adversaire. J'espère juste qu'il va pas venir... Ok, c'est un corbac. S'il peut mourir avant, c'est cool, en fin de compte, lui. Hein. S'il peut mourir avant... Putain, lui, il est dans mon gel, en plus. Putain, j'ai tellement envie d'aller le dépop. Oh! On se met bien, les gars, on se met bien. Ah, mais arrête d'éviter, frérot. Viens faire un tête-tête, là. Alors, il a pas envie. Je pense qu'en vrai, là, on peut pas perdre. On peut pas perdre parce que, je veux dire, la seule condition pour qu'on puisse éventuellement perdre, c'eût été qu'il ait le gadget, mais il l'avait pas. Donc, on se met vraiment bien, là. On a 150 trophées. Allez, les copains, à la conquête du mid. Je vous le dis, les gars. À la conquête du mid, on peut le faire. Allez, il y a un arcade. Est-ce que vous voulez qu'on le tente ou pas? Oh là 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 là, les gars, je reste sans voix, j'aurais dû mourir 10 fois. Ok, alors là, soulevé, mais il y avait un truc en embuscade à gauche. C'était un Jackie. Jackie, on peut l'éclater. Jackie, on peut l'éclater, clairement. On peut l'éclater ou pas. Allez, Jackie, arrête de bouger, ne bouge plus. Allez, mon petit, un dernier coup. Ok, Jackie, ça tombe. On n'est plus que 4 dans la game, les gars, il faut se reprendre.
Ok, 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 ok. Le boule, il est bloqué, les gars, et tout simplement, ça va se finir comme ça ou pas? Il prend son dernier coup, il y a un primo. Ah, ça, c'est les brawlers que j'adore, ça. Même s'il a 12 énergies, les gars, on va essayer de pas perdre, parce que, clairement, là, on a tout pour le gratter, le frérot. Ah, j'ai mal joué, j'aurais pas dû mettre le freeze, là. J'ai mal joué, j'aurais vraiment dû aller garder les ultis. Clairement, là, on s'est un petit peu... Pourquoi il part, là? Vous avez vu comment on le défonce, là? Il est tout simplement freeze, en fait, le frérot. Il peut rien faire. Il ne peut rien faire, là. Alors, vous avez vu, contre les tentes, par contre, la puissance qu'on a, c'est un truc de ouf. Hein. Autant contre les... Contre les brawlers, les autres brawlers, on se fait un petit peu victimiser. Autant contre les tanks, on se met vraiment super, super bien. On s'en relance encore quelques-unes, les gars. On est obligé. J'ai dit objectif 200 trophées. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. On n'a pas le choix, là, les gars. Il faut qu'on tienne la distance. Même si on s'est rendu compte que Colette, déjà, il y en avait beaucoup. Et que Colette, ça faisait super mal. Ok, mais Colette, elle est à deux doigts de me tuer à chaque fois, hein. Même quand je mets les deux premiers coups, elle est à deux doigts de me tuer, putain, c'est vraiment disproportionné, là, le combat, là, on dirait David contre Goliath, quoi. Alors, moi, je prends ça, on est à 3 popos, au mid, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, c'est plutôt une bonne nouvelle. Forcément, je dis qu'il n'y a pas grand monde, si, il n'y a pas grand monde, il y a Colette, les gars, il y a Colette qui est venue me victimiser, alors lui, il a mis un ulti dans le gel, qui me laisse régène, le frérot. Le logo, il est là. Il y a un fight Colette contre Léon. Bon, je pense qu'on va retourner au fight. Il y a un petit Gaël, 5 popos par là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un Gaël. Le Léon, faut qu'on trouve le moyen de le gratter sans qu'il gratte l'ulti. Ok, là on l'a bien gratté. Le problème c'est qu'on lui a filé son ulti, quoi. Oh ça pue fort, il y a un mec en bas, les gars. Ok, lui il va mourir. Le problème c'est que c'est l'autre qui récupère les énergies, quoi. Ou pas, ça va, il me laisse tout prendre. Il m'a régalé, le frérot, il m'a régalé parce que je pense qu'il est là. Ah, il a 130 PV, mais tuez-le, purée. Il est où, cet escroc? Bon, je régène, et je vais aller faire le fight final contre une BA qui a 0 PO, là, et normalement, il n'y a pas trop de suspense. Ok, on est en fight contre le Léon, il faut pas qu'on perde ce face-à-face. Je pense qu'on a... Est-ce qu'on a réellement l'avantage? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, les copains. Alors, qu'est-ce que je vais faire, là? Comment on va se le cueillir, celui-là? En vrai, le poison va forcément le chasser. Ok, on l'a eu, mais c'est pareil, hein, c'est tiré par les cheveux, les copains. J'ai aucune impression de domination. Putain, je sais pas vous, mais j'ai pas l'impression de dominer grand-chose. C'est assez impressionnant, quoi. Oh, la PLS Ada. Alors, qu'est-ce que ça va donner, chaque brawler pour soi? Allez, vas-y. Ça, il devrait le mettre en plus gros, il devrait le laisser apparaître. Quand un mec, il tourne, il devrait dire chacun pour soi, quoi. Il y a certains mecs, il leur faudra un rappel de ça quand ils veulent chimer à plus haut trophée. Alors, on tente le mid, les gars. J'ai toujours un peu peur quand je tente le mid en début de game comme ça, qu'on se fasse cueillir, style, voilà, style la game, là. Les mecs, ils arrivent un peu de partout. J'ai un peu peur, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire? On est obligé de tenter le beau jeu. Ah, style ça, c'est piégeux de dingue, et forcément... Ah, c'est piégeux, ça m'énerve, les gars! Je savais que c'était un piège, le mid, je l'ai dit, les gars! Je vous ai dit, c'est un piège, le mid, et j'y vais quand même, je suis un fatigué, quoi. Je suis un fou furieux, putain, je sais que c'était piégeux, mais d'un autre côté, on peut pas rester caché. Ah, à droite, là, il a trois énergies, le mec qui spawn juste à droite, là. Moi, j'en ai deux, mais bon, faut aller les chercher, quoi, faut les mériter. Alors, Spikey, ça l'a calmé, c'est une bonne chose. On va se prendre celle-là. Je pense que là, il a envie de mourir, on va l'aider. Ok, bon, lui, là, il est Lovita, il a moins de points de vie que moi encore, donc lui, clairement... Il prend super cher sur les fights. Ouah, ça me fait peur. Ah, en fait, toutes les confrontations sont compliquées avec ce brawler. Toutes les confrontations sont compliquées. Putain, c'est un truc de ouf. Si on avance, ça coûte plus 1, les gars. On va mettre une vie à monter, quoi. Je trouve que c'est... On est trop...
On va trop sur le devant aussi. C'est vrai que c'est moi aussi, je joue n'importe comment, mais putain, c'est tellement... Ah, je suis tellement déçu, en fin de compte, c'est par rapport à une ombre, comme c'est éclaté, quoi. C'est tellement plus fort, une ombre, les gars, on marchait sur la map, vous vous rappelez comme c'était dingue. Là, les gars, à côté, c'est vraiment son petit frère, quoi. Ok, là, on fait un kill. Ouais, il met des dégâts. En fait, c'est ça, il met des dégâts. Faut rester loin, mais j'arrive pas à jouer loin, moi. Moi, j'aime bien jouer... J'aime bien jouer... Jouer un peu bourrin, là. Alors, lui, on peut le coincer à droite, Penny. On peut essayer de la coincer par là. On va essayer de faire le tour par là. Ah, il y a un truc derrière, là. Il y a quoi? C'est un ani derrière, les gars? C'est un ani, putain. Oh, il m'a défoncé. Alors, on va essayer de remonter par là. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud de faire mieux que top 3, là. Ça va être vraiment chaud. Là, ils se sont en train de se casser la tronche. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, parce que du coup, on va ramasser ça. On est à 4 popos. Lui, il est bloqué, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. On s'est fait laver, hein. On s'est fait laver. Non, corps à corps, on est nul. Corps à corps, c'est éclaté. Il faut qu'on prenne l'habitude de jouer vraiment à distance, corps à corps. C'est pas son rôle, même en fight final, j'ai envie d'y aller. Mais vous voyez qu'on ne ressort vainqueur d'aucun fight. Hein. C'est assez impressionnant comme on ressort perdant à chaque fois quand c'est fight corps à corps. Même en début de game contre la Colette tout à l'heure, on avait 3 énergies, elle en avait 0 et on a failli se faire laver, quoi. Là, le Surge, on l'a mis l'eau. Est-ce que vous voulez qu'on tente le Surge corps à corps? Non, mauvaise idée. Mauvaise idée, eux, ils vont se fight. Est-ce que je peux éventuellement aller... Ok, lui, il est mort. On va tout simplement se récupérer ça. Est-ce que je peux prendre la popo? Pas... Ah, dommage qu'il a arrêté de le fight, le mec, là. Alors, est-ce que je peux ramasser ça? Non, 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 fallait pas, mais fallait pas. Ah, les gars, on va arrêter là. On va arrêter là, sinon je vais rager. Je vais rager, les gars. On a fait un plus 139. Ça va, les gars. En vrai, ça va. Plus 139, c'est pas mal. On l'a pris à 40 trophées. Ah, vas-y, on fait une dernière. On fait une dernière pour le mettre au rang supérieur. Mais c'est trop de frustration, ce brawler. C'est trop de frustration. On essaiera de se le tester en Brawl Ball si vous êtes chaud. Voir, à mon avis, en 3v3, ça doit passer beaucoup mieux. Mais là, là, en solo, là, c'est trop de frustration parce qu'il se fait vraiment. Il a beaucoup, beaucoup de brawlers qui le counter. Et c'est un brawler de distance. Le problème, c'est que j'ai pas la patience, moi, frérot. Moi, j'ai pas la patience de jouer des petits dégâts comme ça, là. Alors, là, il y a un Surge en haut. Après, oui, DPS. Et là, forcément, il me fait mentir. Je le critique et juste après, il est exceptionnel. Mais ça ne représente pas la réalité du truc. T'as 166 PV, on est à deux doigts de faire un moins, je sais même pas combien, là. En top 8, on va régénérer un peu. Ouais, il DPS, mais derrière, vous avez vu comme je me fais victimiser. Alors là, il y a un Nani. Nani, c'est OP. Ouais, qui me jette pas sa tête. Hein. Respecte-moi, frérot. Là, apparemment, il n'y a personne par là. On fait les bushs. Il n'y a personne. Alors là, il y a un Surge qui se fait pourchasser. Il se fait pourchasser par je sais pas qui. Tac, il tombe. Oh, 8 pots, il a, lui. Ah, je vais me faire coincer pour de vrai, là. Pour de vrai, je vais me faire coincer. Le Gaël, là, il faut qu'on tape le Gaël. Le Nani, il me fait peur. En vrai, le Nani me fait peur. Le Nani me fait peur. Alors, lui, il a qu'une énergie. On peut essayer de le fight en vrai, lui. Je dis essayer parce que j'ai aucune certitude avec ce loup-là. Mais... Waouh, 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 waouh. Wow. Ah ouais. Ça va être chaud, hein. Les gars, si on ne fait pas top 4, là, je vous dis, c'est un miracle. 11 PV. On va s'activer le gadget. Oh ah, j'arrête. J'arrête. J'en ai assez, les gars. J'en ai assez. J'en ai assez. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Honnêtement, je suis vraiment mitigé, hein, les gars. En général, vous me connaissez, je suis un mec. Je suis littéralement à fond sur tous les nouveaux brawlers parce que je trouve dingue. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Mon petit loup...
C'est un brawler de soutien, enfin, quand tout est dit dans le titre en haut à gauche, hein, les gars, c'est pas un brawler de solo. Alors, on l'aura quand même testé, hein, c'est un peu l'objectif. Mais, je suis un petit peu mitigé. En tout cas, aujourd'hui, certes, on aura fait un plus 145, ce qui reste énorme en l'espace d'une demi-heure. Mais on a quand même pas survolé les débats, c'est pas incroyable. Je rappelle que j'ai le brawler max, hein, Star Power, gadget inclus. Donc, c'est pas. Ça me paraît pas incroyable. J'attends vraiment votre avis, les copains, pour ceux qui ont eu la chance de le débloquer. Okay, moi je trouve quand même stylé, hein, je kiffe quand même, mais ça explose pas la méta, hein. Comptez pas sur ce brawler pour bouleverser la méta, à mon avis ce sera pas le cas, il y aura peut-être pas 50 mecs qui le passeront rang 35 en 24 heures comme on a pu voir sur Ambre. En tout cas les copains, mille merci pour le soutien sur la vidéo, vous êtes la famille, je vous fais des gros bisous à tous, et le code créateur, ça régale de voir autant de soutien. Demain vidéo reconfinée les gars si vous êtes chaud, à très bientôt, ciao.